Nous cherchons ici à mesurer une masse de 100 g d'eau. Si nous mettons le récipient et l'eau dedans, nous mesurons à la fois la masse de l'eau, mais aussi du récipient. Nous pourrions trouver la masse de l'eau en soustrayant la masse totale à la masse du récipient vide, mais il y a plus simple. La balance a une fonction qui s'appelle la tare. Quand je mets le récipient vide sur la balance, on voit qu'il indique 31,5 g. En appuyant sur le bouton tare, la masse revient à zéro. Si j'enlève le récipient, je vois qu'il indique moins 31,4 g. Quand je remets le récipient vide, il indique 0 g. Ceci me permet, quand je mets un liquide dans le récipient, de ne mesurer la masse que du liquide qu'il y a dedans, sans tenir compte, sans compter celle du récipient. J'ajuste ici la quantité d'eau pour obtenir, le plus précisément possible, 100 g qui nous servira pour l'expérience suivante. Nous enlevons le trop-plein d'eau et nous ajustons la masse à l'aide d'une pipette.